La tolérance et l'ouverture, enfin d'ailleurs je préfère le mot ouverture à celui de tolérance, parce que la tolérance, on le sait bien, suppose qu'en effet on tolère l'autre, mais sans l'accepter intérieurement, véritablement. L'ouverture, elle est inhérente à l'islam, parce que l'islam, ben, d'abord pour des faits purement historiques, presque on pourrait dire, l'islam arrive en dernier, d'une part, dans le processus du monothéisme, après le judaïsme et après le christianisme, mais aussi après les autres révélations, après les autres traditions religieuses et spirituelles. Donc l'islam se dit et se présente comme étant la dernière, en fait, la dernière religion révélée. Et du coup, il arrive dans un terrain géographique également marqué, au moins par le judaïsme et le christianisme. Et ceci, donc, il en tient compte, et le Coran lui-même comporte assez de références au prophète biblique, enfin biblique, disons, reconnu comme tel au moins donc, par les chrétiens et par les juifs, assez de références en fait aux valeurs universelles et à la morale universelle telle que déployée en fait, auparavant, au moins dans les contextes juifs et chrétiens. Donc les versets d'ouverture sont également importants. Alors on pourrait dire que certes, il y a des versets de fermeture. Alors là aussi, bien sûr, c'est toujours les asbab et nuzul, donc c'est toujours les circonstances de la révélation et, en tout état de cause, la mise en contexte qui va nous éclairer, au sens où on ne peut pas sortir tel ou tel verset hors de ce contexte. Qu'il soit, enfin, qu'on veuille lui donner en fait une portée positive ou en fait bien négative, dans un sens comme dans l'autre, il faut veiller à ce que le Coran soit toujours placé dans le contexte. Donc, en fait, l'ouverture et la dimension interreligieuse, encore une fois, donc il y a beaucoup de versets qui appellent à cette dimension. Et puis, l'exemple du prophète, puisque, bien sûr, en fait, le comportement du prophète était l'application directe d'enseignements coraniques. Donc là, nous avons X paramètres. Bon, lorsque le prophète reçoit la délégation chrétienne de Najran, donc, et leur fait officier la messe dans la mosquée, donc du prophète, par exemple. Donc, quel signe d'ouverture autre que cela, par exemple. Et puis, dans le Coran même, des versets comme la ikraha fid din, hein, pas de contrainte en matière de religion, lorsque l'on connaît les circonstances de la révélation, c'est incroyable. Bon, parmi les circonstances invoquées, c'est le fait que avant que l'islam donc arrive, les jeunes de Yathrib, donc la ville qui s'appelait comme ça avant qu'elle s'appelle Médine, étaient éduqués, parfois étaient donnés aux tribus juives pour qu'ils soient éduqués, parce que les juifs connaissaient mieux l'écriture, donc avaient plus de science, etc., etc. Et lorsque l'islam arrive, les parents de ces enfants arabes élevés par des tribus juives, aux environs donc de Yathrib, Médine, disent au prophète, mais il faut que l'on prenne nos enfants maintenant, puisque l'islam est là, et donc on va les éduquer selon les valeurs islamiques, et non plus juives. Et le prophète n'est pas d'accord, enfin, il laisse le champ ouvert, et à ce moment-là arrive la révélation. La ikraha fid din, quand t'as bayana rujd, amin al-ray, etc. C'est-à-dire, pas de contrainte en matière de religion, parce que la voie droite, elle se distingue d'elle-même, donc de l'erreur. Donc, si vos enfants, bon, ils vont connaître l'islam, hein, s'ils perçoivent que c'est en effet la voie droite, eh bien, ma foi, ils iront vers l'islam. Mais ne forcez pas les choses. Donc, il y a cette sagesse islamique, je dirais fondamentale, cette rahma, cette miséricorde donc du prophète, qui fait que, voilà, il faut laisser le champ ouvert. Et le prophète disait, facilitez les choses et ne les rendez pas compliquées. Donc, je crois que tout cet enseignement islamique, donc fondamental, coranique et puis mohammedien, eh bien, nous n'avons qu'à le revitaliser, tout simplement. En fait, il faut donc le redécouvrir au-delà des traumatismes de l'histoire, au-delà du colonialisme, au-delà des blessures historiques, et qu'on peut comprendre. Mais il faut arriver à se recentrer sur les valeurs fondamentales d'un islam universaliste et qui englobe, enfin, qui comprend le phénomène humain comme un phénomène, donc, en fait, avant tout spirituel.